d'air en heure, l'apiculteur se meurt. Il a eu son heure, il a fait son beurre. Happy, apiculteur. D'air en heure, l'apiculteur effleure la fin du labeur. Happy apiculteur. Dans une autre vie, les marguerites, ses feuilles tout ralenties. Personne n'est vainqueur, les proies des prédateurs savourent le nectar d'une pomme d'appui. Happy apiculteur. Analyse convexe, exercice express aujourd'hui. Alors on va voir un petit exercice qui n'est pas très compliqué à montrer, mais qui mérite quand même d'être signalé, à savoir que si une courbe convexe possède une asymptote, eh bien la courbe se trouve toujours au-dessus de cette asymptote. Alors on va voir ça rapidement. Je me donne une application d'un intervalle voisinant 0. Alors, je l'ai préouvert d'ailleurs. Vers R, et je la suppose convexe. Et je veux montrer que si la limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, vaut 0, et bien ça implique que la fonction est positive. Alors on va raisonner par l'absurde, on va supposer que la limite c'est bien 0, et on va supposer qu'il existe un x0 plus grand que A, tel que f de x0 soit strictement négatif. Oui. Bien, on va peut-être faire un petit dessin pour voir. Hein. Voilà, j'ai mon axe 0, j'ai ma fonction. Vous voyez, à un moment, elle devient négative. Et je veux qu'elle reste convexe, et je veux qu'elle tende vers 0. Bien, vous voyez que là, si je veux absolument qu'elle tende vers 0, je vais être obligé de changer de concavité. Bon, bah c'est ça qu'il faut mettre en œuvre. Alors là, on va tout simplement utiliser le théorème de l'inégalité des pentes. Je vais y arriver. Donc je vais me donner x supérieur à x0. Oui, je vais considérer la fonction t indice x0 de x qui est f de x moins f de x0 sur x moins x0. Bien, qu'est-ce que je sais de cette fonction? Bien, je sais qu'elle est croissante. Oui. Mais comme f de x tend vers 0, oui, eh bien, ça tend vers une constante, qui est f de x0, mais x tendant vers plus l'infini, le tout tend vers 0. Donc j'ai t de x0 de qui tend vers 0 en plus l'infini. J'ai donc une fonction croissante qui tend vers 0. Ben, une fonction croissante qui tend vers 0, elle est nécessairement négative. Donc, quel que soit x supérieur à x0, j'ai t de x0 de x qui est négatif. Oui. Mais comme x est supérieur à x0, ben ça veut dire que quel que soit x supérieur à x0, j'ai f de x qui est inférieur ou égal à f de x0. Ben oui, mais ça implique, puisque la limite existe, ben que la limite est elle-même bornée par f de x0. Mais f de x0 est strictement inférieur à 0, ce qui pose un petit problème. Donc voilà pour ce petit résultat. Et bien ensuite, donc petit 2, on vous demande de montrer que la somme d'une fonction affine
d'une fonction convexe et d'une fonction affine, donc f convexe et a affine. Est convexe, ben ça c'est facile parce que si je suis affine, je suis convexe, hein. Les fonctions affines, elles sont à la fois convexes et concaves, et donc la somme de deux fonctions convexes est convexe. Donc ça, f plus a est bien convexe. Génial, et ensuite, on termine l'exercice. Je vous avais dit que c'était un exercice express, vous ne voulez pas me croire. Bon, l'hypothèse, c'est que f possède une asymptote. Une asymptote en plus l'infini. Alors, qu'est-ce que ça veut dire posséder une asymptote ? Eh bien, ça veut dire que il existe deux réels tels que f de x moins la fonction ax plus b, qui est la fonction affine asymptote, tend vers 0. Quand x tend vers plus l'infini, par exemple. Voilà, je vais prendre une belle droite comme ça, et je vais essayer de prendre une belle fonction convexe. Et donc l'idée, c'est effectivement de montrer que ma courbe est au-dessus de cette asymptote. Bien, bah, qu'est-ce que vous avez montré à la question 2 ? Vous avez montré que x donne f de x moins ax plus b est convexe. Ça, c'est par la question 2. Et la question 1, elle vous dit quoi ? Bien, elle vous dit que f de x moins ax plus b est positive. C'est juste la question 1. Bah donc, ça veut dire que f de x est plus grand que ax plus b, c'est-à-dire que la courbe de f est au-dessus de son asymptote. Voilà, jeunes gens, analyse convexe, solution express. Bye bye.